dans ce tout premier numéro de l'an 2023. L'occasion est pour nous de vous dire bonne année 2023 à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez fait confiance en RDC, vous nous avez fait confiance à l'international via Canal+, au 346. Nous avons été ensemble et nous le serons. Merci pour votre confiance, sans cesse renouveler sur votre chaîne et à ces magazines Direct Grand Débat. Direct, il est direct parce que vous le suivez en direct de Kinshasa, capitale de la RDC, et grand parce que les grandes figures nous ont, vous ont tous accompagnés durant l'année 2022. Dieu est grand, nous voici dans l'an 2023 avec les mêmes grandes figures. Et ce jour, parmi les grandes figures qui étaient toujours fidèles à ces magazines, experts en économie, directeur général des spéciales autogarage, c'est Mathieu Takizala. Avec nous, nous allons faire une rétrospective de l'an 2022 et projeter les perspectives pour l'an 2023. À lui, j'ai dit bienvenue et bonne année, Mathieu Takizala. Pareillement, M. Joseph. Donc, bonne année à toute l'équipe de la chaîne congolaise PES TV, et qui est arrivée après les autres, mais qui a essayé de s'affirmer dans le paysage audiovisuel congolais, qui est aujourd'hui pas uniquement à Kinshasa, mais qui est une chaîne congolaise regardée à travers la magie de la technologie, Canal+, CanalSat, et y compris l'Internet, 21e siècle. Donc, et puis, personnellement, le patron, M. Patrick, que je connais personnellement, je dis aussi Merve Laoui, c'est grâce à lui que cette magie de PES TV est aujourd'hui en démocratie du Congo. Merci beaucoup. L'occasion de renouveler aussi mes voeux à tous les personnels de PES TV, la technique, le directeur général, mais exactement à vous, parce que vous avez été toujours présent durant toute l'année 2022, à l'improviste. Des fois, on vous prend à pied levé. Vous avez été toujours disponible pour donner votre expertise à l'investisseur congolais. Alors, Mathieu Takizala 2022, qu'est-ce que vous direz de votre entreprise Spécial Autogarage? Je rappelle que vous êtes directeur général. Oui, 2022, nous sommes déjà prêts à affronter 2023. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le perspective des Spécial Autogarage, en 2022, les gens venaient chez Spécial Autogarage uniquement pour réparer, acheter pièces de rechange ou les dérivés de l'automobile. Mais en 2023, les gens vont commencer avec puis contrôleurs techniques. En 2023, les gens vont venir beaucoup pour acheter de véhicules chez Spécial Autogarage. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que l'achat de véhicules appauvrit les Congolais. Ça veut dire. Et en 2022, nous voulons que tout Congolais qui veut acheter le véhicule en République démocratique du Congo, qu'il soit véhicule messier tout le monde, véhicule industriel, véhicule spécialisé, ça peut être des véhicules, le machine agricole, à travers la République, il suffit de travailler avec SAG, là où vous êtes, vous pouvez être à Butembo, vous pouvez être à Beni, vous pouvez être du côté de Bukavu, vous pouvez être à Kikwit, à Matadi, ainsi de suite. Automatiquement, lorsqu'on va s'approvisionner pour vous, le véhicule va venir dans la ville où vous résidez. Pourquoi? Parce qu'on a compris que quand le Congolais achète le véhicule, l'accompagnement technique est absent et que les simulations ne se font pas d'une façon rationnelle. Nous sommes un pays où l'achat de véhicules ou l'achat d'équipement, la banque est absente. Or, la plupart des véhicules qui rentrent en démocratie du Congo, trois quarts ce sont des véhicules qui ont déjà eu l'amortissement en dehors du territoire congolais. C'est là la meilleure compréhension que l'acheteur de ces Congolais et Congolaises soit un professionnel technique, pas un marchand simplement, il sauve dans la vague, mais c'est quelqu'un qui a la connaissance de bien mécaniser. Une société qui a la connaissance des biens mécanisés et qui ne va pas négliger aucun ingrédient pour que lorsque ces véhicules arrivent à un démocratie du Congo, que ça ne soit pas une source de dépenses pour le propriétaire, mais que ça soit des outils qui vont le permettre à créer de la valeur à un démocratie du Congo. Alors aujourd'hui, Mathieu Takizala, qui a été une figure remarquée dans la presse, et surtout un directeur général de Spécial Autogarage, 2022, à combien vous évaluez votre réussite? À 90% de ce qui a été vos projets en 2022? Bon,
D'abord, première chose, l'un des éléments que le Congo a gagné avec notre arrivée en Piomokati du Congo, c'est d'avoir un acteur congolais, mais qui essaie aussi de garantir tous les partenaires, entre autres, vous, le média. Vous savez que pendant longtemps, vous avez été privé d'avoir les acteurs du monde économique qui échangent avec vous. Vous êtes plus habitué à avoir mes compatriotes politiciens à être disponibles autour de vous. Mais depuis 2019, et aujourd'hui, dans l'écosystème médiatique congolais, vous avez l'habitude aujourd'hui. Je me suis mis en disposition de la presse de la démocratie du Congo pour que le Congo puisse trouver d'abord un entrepreneur qui s'affirme, parce que trois quarts des gens, quand vous le voyez dans l'espace public, on prend plus de positionnement militantiste des états-majors politiques. Mais c'est Akizala et l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur congolais. J'ai fait le diagnostic de la société congolaise. Je pense qu'aujourd'hui, c'est utile d'avoir aussi les gens qui sont du secteur privé, mais qui essaient de contribuer dans l'espace public. Et cela m'a poussé aussi à créer une plateforme de mes homologues entrepreneurs qu'on appelle Défi RDC. Défi RDC, c'est un regroupement, parce que l'entrepreneur congolais souffre de quatre éléments majeurs. La première, d'abord, l'absence de réseautage. Et le deuxième élément, c'est l'absence de cet esprit de se compléter entre les acteurs. C'est-à-dire de créer une chaîne de valeur d'abord entre et même les acteurs. Un autre élément majeur, c'est l'absence de financement autour de l'entrepreneur qui choisit la Piomokati du Congo. Et l'élément qui est majeur encore, c'est le carnet de commandes qui est quasi inexistant, parce que l'informel nous guette. L'informel est la grande difficulté des entrepreneurs ou les sociétés qui sont toujours en Piomokati du Congo. Et nos compatriotes politiciens ou les députés ou les assemblées électives qui sont en Piomokati du Congo, vous voyez qu'ils doivent avoir aussi les partenaires en entreprise. Ça veut dire que les chefs d'entreprise qui les complètent. Parce qu'avec l'informel, vous voyez que les politiciens n'ont pas pu transformer la société congolaise. Et c'est là où je veux relancer Mathieu Takizala, qui était à un certain moment dans les différents débats politiques avec les politiques. Est-ce que c'était en prélude, c'était par rapport à cette vision d'être aux côtés des politiques, associer l'entrepreneur aux politiciens? Oui, parce que en fait, quand j'arrive... Ou bien Mathieu Takizala est potentiel candidat en 2023. Non, mais je suis déjà candidat au service de la République démocratique du Congo autour de l'entreprise. Je pense que ce que nous faisons permet aussi à la République démocratique du Congo d'avancer. Je crois que moi, j'ai fait un peu l'autopsie d'une façon rationnelle. Au lieu d'être uniquement littéraire, c'est via la théorie, on en a besoin. Mais à un moment dans la vie, il faut être professionnel aussi. Parce que la société congolaise aujourd'hui souffre dans l'absence du professionnalisme sectoriel. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui, même en politique, nous devons recruter les gens qui ont ce qu'on appelle l'expertise sectorielle. Mais bizarrement, vous voyez qu'aujourd'hui, au Congo, par exemple, là, bientôt, on rentre plus dans le période électif, vous allez voir que les politiques commencent à faire le rôle de l'administrateur, la logistique. On parle plus aujourd'hui à la démocratie du Congo, la CENI, tout ça, ainsi de suite. Non, le rôle de la politique, c'est quoi? C'est sélectionner les experts sectoriels et que les problématiques sociétales qui sont par exemple autour de l'entreprise, autour des financements, autour de l'alimentation des Congolais, autour des déplacements des Congolais, autour du logement des Congolais, autour du financement des Congolais, autour de la sécurité sociale. Ce sont ces experts sectoriels qui peuvent pondre les idéaux qui peuvent être rationnels. Or, malheureusement, la démocratie du Congo, c'est pour ça moi, quand je suis arrivé, j'ai dit, mais oulala, comment fait-il quand dans le débat sociétal, parce que vous n'êtes pas en période des blocs qui doivent s'affronter, qu'on appelle, entre guillemets, le période des campagnes. En dehors de campagne, normalement, les affrontements dans le plateau de télévision, elles doivent être des affrontements pas idéologiques, mais des affrontements sectoriels, d'expertise. Même vous êtes de gauche ou de droite, mais quand on arrive, on doit analyser comme les experts. C'est en période des campagnes que les politiques peuvent maintenant se rivaliser dans le bloc idéologique. Or, la République démocratique du Congo, on a fait un régime de 60 mois de campagne. Dès qu'on élit quelqu'un, vous voyez que tous les blocs qui essayent de parler de la politique passent leur temps. Au lieu de nous montrer la photographie et d'apporter un peu l'alternative par rapport à l'adversaire, mais malheureusement, la démocratie du Congo, à part de dire que l'autre ne fait rien, à part de dire que l'autre est incompétent, à part de dire que... Donc, vous voyez que là, on ne traite pas vraiment de... Monsieur Mathieu n'est pas candidat à la députation en 2020. Non, je suis candidat autour de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise est quelque chose qui nous manque. Parce que pour être un bon député ou être un bon sénateur, vous devez être dans une circonscription électorale où l'entreprise s'exprime.
Alors. Parce que si l'entreprise n'est pas là, là où vous choisissez le suffrage des Congolais, et de plus en plus, on devient démagogue sur l'espace public. Alors, vous êtes cet invité choisi ce jour dans ce secteur de l'entrepreneuriat. C'est le tout premier numéro de ce numéro de direct grand débat pour l'an 2023. Je rappelle que vous êtes directeur général de Spécial Autogarage, une entreprise congolaise. Vous êtes un consultant de ce magazine direct grand débat où vous nous avez accompagné durant toute l'année 2022. C'est pourquoi nous vous avons fait cet honneur ce jour de parler avec vous aujourd'hui, la rétrospective de l'an 2022. Alors, l'an 2023, quel sera Spécial Autogarage? Et c'est par là que nous allons devoir nous séparer avec vous. L'an 2023, Spécial Autogarage, c'est vraiment l'acteur congolais dans cette ingénierie et qui est au service des professionnels et des particuliers en démocratie du Congo. Mm-hmm. L'an 2023, chaque professionnel qui va avoir l'éclairage autour de la gestion des flottes en démocratie du Congo, qui soit l'achat, parce que le Congolais, on s'appauvrit aujourd'hui beaucoup. Pourquoi? On ne fait pas ce qu'on appelle les achats groupés autour des professionnels. C'est pour ça que nous disons qu'ils soient les institutions, qu'ils soient les entreprises qui ont choisi la démocratie du Congo comme un terrain de créer de la valeur. Spécial Auto est là un bon accompagnateur. Ça veut dire que c'est celui-là qui va acheter en regardant les problématiques environnementales, en regardant les problématiques techniques, en regardant les problématiques économiques et en regardant l'innovation du 21e Alors, siècle. Alors, un bon accompagnateur, c'est vous. Parce que aujourd'hui, vous êtes Mathieu Takizala, vous êtes venu, vous vous êtes imposé dans ce monde médiatique. Et entre-temps, quel rapport aujourd'hui vous pouvez établir entre Spécial Autogarage et les institutions en termes de contrat par rapport à votre marché? Aujourd'hui, en termes de contrat, nous n'avons pas de marché avec des institutions, mais nous demandons à ceux qui sont à la tête de la plupart des institutions congolaises. Ça veut dire les institutions, en sens, lorsqu'ils cohabitent avec les institutions du monde privé. Mmh. Spécial Auto a fait presque 60 ans tout moins en démocratie du Congo. Alors, normalement, nous, on a fait notre part. Ce que nous demandons, en commençant par le président Tshisekedi, qu'en 2023, c'est vrai, c'est la partie élective, mais l'élection, nous devons amener aussi l'approche économique. Et l'approche économique, ça veut dire que si nous commandons, par exemple, le véhicule pour la CENI, il faut regarder aussi les entreprises qui sont fondées par des Congolais. Est-ce qu'on peut l'apporter, ces chiffres d'affaires? Parce que si vous apportez aussi le chiffre d'affaires auprès des entreprises telles que Spécial Autogarage, nous allons faire l'accroissement social, l'embauche. Alors, aujourd'hui, on vous a parlé, c'est que vous n'avez pas été convaincu par l'appui du gouvernement à l'investissement national. Non, mais logiquement, vous savez, je suis à la tête d'un titan des entrepreneurs ou des patrons en démocratie du Congo, qu'on appelle des FIRDC. Ça veut dire qu'autour des FIRDC, je vois les hommes et les femmes qui pouvaient nous aider, mais en réalité, ils sont bités avec le même problème que moi j'ai. Par l'accompagnement du gouvernement. Voilà, le même problème. Trois quarts n'ont même pas le contractuel, hein, n'ont pas de contractuel, ni avec une structure du bord privé, ni avec des structures du bord étatique. C'est pour cela, revenons un peu réalistes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'il soit le premier ministre, hein, donc Mervé à Sœur Sam, qui a commencé aussi comme directeur d'une entreprise, il connaît l'adrénaline d'une entreprise. Un chef d'entreprise, c'est qui estomaque le chef d'entreprise, c'est l'absence du contractuel, c'est l'absence d'accompagnement financier. Et quand il n'y en a pas, automatiquement, et puis le problématique de l'énergie, et puis le problématique des déplacements. Vous voyez aujourd'hui, pour qu'un entrepreneur se déplace des coins gauche-droite, c'est tout un problème. Normalement, aujourd'hui, c'est y compris les présidents des chambres parlementaires, M. Mbosso, et puis M. Bayatu Lukwebo, il doit aussi écouter nous les entrepreneurs. Conclure, ça veut dire qu'en 2023, si le peuple puisse nous prendre au sérieux, je crois que nous devons avoir une photographie pragmatique. Une photographie pragmatique, c'est quoi? La consommation qui sont autour des institutions et autour des entreprises de portefeuille doit aussi choisir les entreprises de bord privé pour que nous puissions quand même avoir une transformation sociale et innovatrice dans le territoire. Et c'est comme ça que vous allez voir que, et puis, les évolutions dans le secteur bancaire de la démocratie du Congo. Conclusion. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, Spécial Autogarage, nous avons d'ambition que d'être un bon accompagnateur dans cette ingénierie. Nous avons aussi l'idée de fabriquer une partie des dérivés de l'automobile de Kinshasa. Et ce que nous cherchons aujourd'hui, des partenaires financiers. Merci. Parce que ce n'est pas normal qu'en plein 21e siècle, il n'y a pas, même dans le dérivé d'articles avec l'industrie de l'automobile, ou qui sont fabriqués. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est Spécial Auto. Ce n'est pas pour rien que je suis baladé avec ces catalogues. C'est-à-dire que le catalogue, c'est Spécial Auto, pièces de rechange, lubrifiants, véhicules,
réparation et fabrication. On a une branche qu'on a mis et le transport. Donc, une branche qu'on a mis actuellement chez Spécial Autogare, on appelle Spécial Industrie. Là-dedans, il y a certaines pièces de réchange où nous estimons que ça vaut mieux d'être fabriqué en République démocratique du Congo avec l'opérateur congolais de l'ingénieur de l'automobile qu'on appelle Spécial Autogarage. Merci beaucoup d'être venu, Mathieu Takizala. C'est moi qui vous remercie et disons à la plupart des journalistes qui sont dans le groupe qui m'accompagne à Pilomokati du Congo, on a l'habitude d'échanger, qu'au mois de janvier, on va se retrouver chez Spécial Auto Garage pour regarder un peu qu'on amène un peu notre approche de la communication rationnelle parce que nous devons créer de l'emploi à Pilomokati du Congo. Et à ceux qui cherchent des véhicules achetés, rapprochez-vous, commandez avec l'accompagnateur congolais dans cette ingénierie spéciale autogarage. Merci d'être venu, Mathieu Takizala. C'est moi qui vous remercie. Surtout, je rappelle que vous avez été toujours celui qui a été toujours disponible aux côtés de la presse congolaise. À chaque fois qu'on a toujours besoin de vous en matière d'entrepreneuriat et de l'économie, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je pense que nos voeux, les meilleurs à vous et à tout votre personnel de Spécial Autogarage. Ah oui, je voulais même m'énerver à toute l'équipe de SAG, Spécial Autogarage, l'équipe de Kinshasa, des garçons dynamiques, forts, et leur niaque, c'est uniquement de rendre service. Alors, vous avez passé 48 mois au pays. 48 mois à Kinshasa. C'est pour la première fois. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Donc, on est là au service de la démocratie du Congo. Mais il y a ça paye. Non, mais pour l'instant, les ambitions que nous sommes venus avec à Kinshasa, on n'arrive pas encore à atteindre des objectifs. C'est pour ça que nous disons qu'il faut que les politiques comprennent qu'un pays sans bloc entrepreneurial, c'est un pays qui va encore se rechercher pendant longtemps. Mathieu Takizala, candidat. Bah, vous savez, le peuple, c'est le maître. On dit les élections, c'est l'histoire souveraine. Non, mais le moment opportun, on verra. Mais pour l'instant, nous sommes candidats autour de l'aventure entrepreneuriale. Merci d'être venu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, Mathieu Takizala, je rappelle qu'il est directeur général des Spécial Auto Garage. Dans un instant, nous allons recevoir Eddy Oumba Mbuya. Il est cadre de l'UDPS Kibasa. Avec lui, nous allons parler la politique 2022. C'est pratiquement une année rétrospective. Nous allons parler Katumbi qui s'est annoncé, les trios Mukwege, Fayulu et Matata. Et nous allons parler de ce complot contre la sécurité du chef de l'État. Que dire au sein de l'Union Sacrée? Il est jeune, l'enrôlement, il appelle la jeunesse à se prendre en charge. Lui, c'est Eddy Mbuya Oumba. Bienvenue. Merci M. Kamanga, bonne année à vous et à toute l'équipe de PSTV. Nos voeux de meilleurs à vous tous, cadres et militants de PS Kibasa, vous nous avez accompagnés durant toute l'année 2022. À chaque fois qu'on avait besoin de vous, vous avez toujours répondu à l'invitation. C'est nous qui vous remercions parce que PSTV est l'une des chaînes qui nous accompagne dans cette aventure politique que nous avons choisie. Et ça nous accompagne à chaque fois que nous avons quelque chose à dire à notre peuple, à nos téléspectateurs, à notre base. PSTV nous aide toujours à nous lier. Donc c'est un pont entre nous et notre population. Et comment va l'UDPS Kibasa et son autorité temporelle, le ministre peut-être, au ministère Kibasa? L'UDPS Kibasa se porte très bien et de mieux en mieux. Chaque jour qui passe, nous portons bien. Et j'en profite par la même occasion de souhaiter le vœu le meilleur à notre autorité morale, son Excellence Augustin Kibasa Maliba, le ministre. Et je souhaite aussi le vœu le meilleur au secrétaire général, Séraphin Mbaka Pépé, et à beaucoup d'autres cadres et militants de notre parti. 2023, j'en profite pour leur dire que 2023, c'est l'année décisive, l'année où nous devons encore mettre beaucoup plus de sérieux. Pour des paquets doubles. Voilà. Alors, UDPS Kibasa, vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Naturellement, nous soutenons la candidature de Tshisekedi en 2023. Nous soutenons parce que nous devons travailler pour que Tshisekedi soit encore réélu et en même temps travailler pour qu'il ait des députés de son obédience. Alors aujourd'hui, Eddy Oumba, cadre de l'UDPS Kibasa, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération FUNA.
Vous êtes un natif dans le Haut-Lomami, oui. Précisément à Kamina. Alors aujourd'hui, comment vous, personnellement, on veut d'abord commencer par cette première opération d'enrôlement des électeurs qui a eu pour première étape ciblée par la CENI, les 10 provinces, et notamment la ville de Kinshasa. Comment, selon vous, des ratés, des irrégularités dénoncées? Et tout de suite, Fayoulwa et Mukwege ont crié à une fraude déjà planifiée d'avance. Bon, déjà, coup de chapeau à la CENI et au gouvernement qui a mobilisé les moyens pour commencer déjà l'enrôlement. Parce que les élections commencent toujours par l'enrôlement. Nous devons identifier la population, nous devons identifier les électeurs. Et voilà, nous venons de commencer l'enrôlement ici déjà à Kinshasa. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à la jeunesse et les appeler à une haute responsabilité. Parce que les jeunes, après plusieurs statistiques, nous nous sommes rendus compte que les jeunes sont à 90% majoritaires dans notre population congolaise. Et je pense humblement que si notre pays peut décoller ou régresser par rapport à son développement, c'est que les jeunes sont aussi également responsables à 70%. Donc les jeunes, il ne faut même pas dire que voilà, nous ne nous intéressons pas de la politique, parce que cette politique-là va s'occuper de nous, la jeunesse. Mmh. Voilà pourquoi je demande aux jeunes d'imposer leur choix, cette fois, pour que les choses changent, parce que la RDC mérite mieux. Et alors, lorsque vous invitez la jeunesse aujourd'hui à un sens élevé de responsabilité, vous croyez qu'aujourd'hui, ce sera le dernier round. Et pendant que ces jeunes ont voté en 2006, en 2011, en 2018, et pourtant ils se plaignent que leur situation n'a pas été améliorée et que apparemment il y a même un conflit de génération entre ces jeunes qui soutiennent pour la plupart, il faut rappeler ici, que dans les différentes ligues de jeunes des différents partis politiques, ce sont les jeunes qu'on instrumentalise entre guillemets, mais lorsqu'il y a des prises de position, des prises de fonction, ces jeunes sont mis à l'égard. Évidemment, voilà pourquoi c'est la démarche que nous voulons mener cette fois. Parce que les jeunes, il est vrai que nous avons des jeunes ont toujours de modèles, ils ont des idoles, ils ont des gens qui pensent être devant eux. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus, on ne peut plus dire que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Nous disons que la jeunesse, aujourd'hui, est une frange déterminante pour le développement de notre pays. Donc les jeunes, aujourd'hui, peuvent prendre les choses en main et parler à leur cause, et que les jeunes se retrouvent aussi à la table des décisions pour parler des causes réelles de la jeunesse. Parce que décider sans les jeunes, c'est décider contre nous. Voilà. Eddy Oumba Mbuya, vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez justifier ce qui se passe aujourd'hui à la CENI par rapport à cette opération d'enrôlement, des ratés, des irrégularités dénoncées par tous? Non, l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. Mais il est vrai que nous nous enrôlons, nous voyons des gens. Moi, j'ai fait la ronde, par exemple, dans la FUNA. J'ai vu plusieurs bureaux qui fonctionnent normalement. Est-ce que Kadima ne vous a pas déçu? Kadima est en train de faire du bon travail. Est-ce qu'il n'a pas déçu? Non, il n'a encore rien fait jusque-là, parce qu'il est en train de suivre son calendrier qu'il a publié. Et je crois que c'est quelqu'un qu'il faut soutenir et encourager. Kadima, aujourd'hui, il faut attendre qu'il finisse pour l'évaluer. Kadima vient de lancer les opérations de l'enrôlement avec les 10 premières provinces. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas parfait. Il y a des gens qui se plaignent parce que l'homme n'est jamais satisfait totalement. Il y a des gens totalement. Qui se plaignent, oui. Il n'est jamais satisfait totalement, mais il y a des enrôlés tout le jour. Il y a les gens qui se plaignent, certainement, oui. Il y a des grandes pointures qui ont haussé le ton. Le trio Matata, Mukwege, Fayoulou, qui en appelle même à un monitoring de la communauté internationale par rapport à cette opération d'enrôlement. Donc moi, je crois que nos amis congolais, ils le sont. Si je ne m'abuse pas, à mon humble avis, ils sont tous congolais. Ils ont le droit de réclamer, de mettre leur position, c'est normal. Mais je pense qu'en tant qu'humain, une œuvre faite par l'homme n'est jamais parfaite. Mais il est vrai que parmi ces trois, les grandes pointures dont vous venez de citer, il y a Fayoulou. J'ai vu Fayoulou aller se faire enrôler. Il s'est enrôlé, et si ce n'était pas une bonne démarche, il allait peut-être décrier avant de s'enrôler. J'ai même vu certaines images qui circulent dans les réseaux sociaux. Certains de ces militants sont en train de les pointer du doigt. Que voilà, vous critiquez la CENI et nous vous voyons, vous, aller vous enrôler.
Quel est le message que vous nous lancez? Donc, il ne faut pas chercher quelque chose de son contraire. Mukwege, c'est un très bon médecin. Coup de chapeau à lui et j'apprécie tout ce qu'il fait pour nos mamans à l'Est. Mais il doit savoir que si on est très bon en politique, on ne laissera pas en gynécologie, on ne laissera pas forcément en politique. Ou si on est très bon sur le terrain, on ne laissera pas forcément en politique. Alors, je dis au départ que vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat en 2023. Oui. Alors, Katumbi, qui s'est annoncé tambour battant à la présidentielle 2023, au-delà de lui, ses trios Matata, Mukwege, Fayulu, Tshisekedi est parti pas favori au regard de ce qui est dénoncé autour de lui. Non, Tshisekedi, je crois que c'est le plus grand parmi les grands. Tshisekedi. Face à Katumbi? Non, Katumbi, excusez-moi. Face à Mukwege, face à Fayulu. Excusez-moi, Katumbi, si je ne peux que face parler. Face à Matata, que vous voulez à tout prix prendre par la justice. Non, Matata, ce n'est pas nous qui voulons à tout prix prendre par la justice. Matata, en toute conscience, il doit savoir qu'il a un devoir de redevabilité à la société congolaise. Nous parlons du dossier Bukangalozo jusque-là. Il y a un flou qui plane. Il y a les dossiers de lazarianisation, pas de beaucoup d'argent qui ont été déboursés. Et il doit justifier cela. Ce n'est pas à la justice ou encore à un individu à qui il doit rendre ses comptes, c'est à toute la population congolaise. Parce que l'argent déboursé, c'était de l'argent de la République. Et Katumbi aujourd'hui, bon. Un témoin gênant. Il n'est pas témoin gênant. Désolé. Désolé pour moi. Et ses fidèles, des ministres ont démissionné, les trois. D'ailleurs, la démission de certains de ces ministres me désole. Si je ne peux parler d'abord de vieux Okende, il a promis qu'il allait nous donner les permis de conduire et voilà, il est parti, il nous a laissé sans permis. Mais vous êtes il a avec fait lui. La grande campagne. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union Sacrée. Nous sommes membres de l'Union Sacrée. Vous lui avez fait confiance. Vous avez géré ensemble avec ces trois ministres. Nous avons géré ensemble, mais il était maître de son secteur, il avait la signature dans son secteur. Nous n'avons pas à exiger quoi que ce soit dans les secteurs dont il était maître. Il nous a vendu du vent avec la compagnie Air Congo. Et il est parti, moi je peux dire, c'était vraiment du vent qu'il nous a vendu. Et il est parti parce que avec son boss ou avec leur boss, incapable de rendre ou d'assumer les actes, et il se casse à tout moment. S'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, vous le critiquez au regard de tout le monde. Et pourtant, vous avez donné à Katumbi à certains ministères juteux, le ministère du Plan, avec Christian Mondo. Okende avec le ministère de Transport, pour ne pas citer la vice-ministre ou la vice-ministre. Mais et pourquoi avoir donné, c'était de la torture, vous l'avez fait à cœur joie, ou c'est encore l'ivresse du lait? Non, ce n'est pas l'ivresse du lait. En politique, il y a toujours des alliances et des accords qui se font. Et il a été décidé par les autorités que voilà, on devait accorder tel ministère à tel ou à tel. Mais Katumbi, qui est durant tous les pratiquement les 4 ans, Katumbi aura été toujours cet élève qui n'obéissait pas pratiquement aux ordres des Nions Sacrés. Il est venu, il a initié des consultations, il est reparti pour Lubashi, il est revenu. Est-ce que vous n'avez pas, soit vous avez été distrait, complice? Non, nous n'avons pas été distraits. Pas comprendre que Katumbi était partant. Nous n'avons pas été distraits. Katumbi est venu de lui-même adhérer à cette vision de l'Union Sacrée. Il est venu adhérer. Et pour partir, on ne devait pas commencer à suivre ses gesticulations sur les réseaux sociaux. Non, mais il est. Il devait se prononcer clairement. Pas sur les réseaux sociaux. Katumbi est venu à Kinshasa. Il a même initié des consultations. Avec oui ou à la fin, on va se déclarer si on va rester au parti de l'Union Sacrée. Mais il était libre. Et après, libre. Il est parti. Il était libre. Est-ce que ce n'était pas un début de comprendre que l'homme n'était pas avec vous à l'Union Sacrée? Il était libre et il a jugé opportun qu'il devait maintenant quitter maintenant. Mais malheureusement, toute la communauté nationale est maintenant au courant, et même internationale, si je peux l'ajouter, que Katumbi, c'est un monsieur, excusez-moi les termes, c'est un lâche, il ne sait pas assumer ses responsabilités. Il est congolais. Congolais, je ne sais pas, parce que moi je sais que peut-être par acquisition. Peut-être congolais par acquisition. Il est congolais. Je dis peut-être par acquisition. Parce que la plupart, parce que notre la loi, plupart des langues, on peut être, on peut être la congolais. La plupart des langues, puisque sous vous, le régime actuel qu'il avait
donné le passeport congolais, contrairement à ce que le régime Kabila que vous condamnez, elle avait traité d'italien. Non, le régime Kabila voulait nous amener dans quoi? Si le régime Kabila reconnaissait qu'il était étranger, et pourquoi il a été gouverneur pendant plusieurs années? Il est congolais, Katumbi est congolais. Je ne sais pas à quel niveau, mais néanmoins, je sais que s'il était étranger, il ne serait pas gouverneur. Félix Tshisekedi serait-il le favori en 2023? Il l'est. Point de mandat. Il n'y a pas de question sur ça, il n'y a même pas de doute. Par rapport à quoi? Il sera candidat et il sera réélu. Oui, et ça, c'est tout à fait une évidence. Mm-hmm. Mais il est aussi vrai que tous ces challengers sont libres de postuler à la présidentielle. C'est de leur libre, de leur droit. Ils sont libres, ils sont congolais, ils peuvent toujours postuler. Alors, il aura un deuxième mandat? Par rapport à quoi? Son bilan? Il a un bilan mitigé. Non, il a un bilan largement positif. Mm-hmm. Il y a plusieurs secteurs qui l'a boosté. Aujourd'hui, les toutes dernières réalisations, aujourd'hui, Kagame est mis à nu. C'est pendant que plusieurs années, c'était un monsieur qu'on ne pouvait même pas pointer du doigt, protégé par la communauté internationale. Aujourd'hui, la communauté internationale est capable de dire à haute voix que voilà, c'est Kagame qui finance le M23. C'est une très grande réalisation, un pas vers la grande victoire. En dehors de cela, en interne, il y a des très grandes victoires. L'heure n'est pas encore au bilan. Nous allons énumérer des bilans et au besoin, si les gens ont besoin, qu'on les compare avec certains régimes, nous les ferons et nous sommes prêts. Oui, parce que vous y êtes. Félix Tshisekedi 2022, qu'aura-t-il fait de la diplomatie? Vous croyez que c'est plaindre à la longueur de journée, même du haut de la tribune des Nations Unies, ça aurait été suffi qu'on pourrait dire non. Bravo la diplomatie congolaise non, 2022. Dire qu'il se plaint, c'est le langage des ennemis de la République démocratique du Congo. Il a fait un plaidoyer sérieux et je venais de le dire que c'est grâce à toutes ces négociations, tous ces plaidoyers, qu'aujourd'hui le Rwanda est pointé du doigt, même pas la communauté internationale. C'est grâce à cette diplomatie qu'on peut déclarer haut et fort que le génocide du Rwanda a été commandité par Kagame lui-même. C'est grâce à cette diplomatie. Donc ce n'est pas des plaintes, mais c'est plutôt une diplomatie qui aujourd'hui remporte beaucoup à la République démocratique. C'est pas ce que les gens laissent entendre que Kagame, s'il le fait, c'est par non-respect des accords tel que signé avec le président actuel, Félix Tshisekedi. Kagame n'a aucun droit de donner des armes aux rebelles. Est-ce qu'il n'y a pas eu des accords obscurs? S'il vous plaît, Kagame n'a pas de droit sur la République et n'a rien à exiger sur la République. Le Rwanda a ses limites connues et la République également. Lui, en tant que chef d'État d'un État indépendant qui est le Rwanda, n'a rien à exiger sur la République qui est un État souverain. Mmh. Et là, c'est tout à fait logique. Qu'il y ait des accords dont certains ennemis de la République parlent ou certains ennemis de Tshisekedi parlent, qui nous les brandissent. Parce que moi, j'ai suivi dans une vidéo le professeur Kalele qui parlait des accords qui ont été signés du temps de Kabila. Mmh. Il les a brandis. Mais tous ces gens qui parlent des accords, ils peuvent venir, ils sont libres, qu'ils les brandissent aussi. Comme l'ont fait certains acteurs politiques. Alors, ils ne doivent pas nous vendre du vent et dire que voilà, il a fait ça, mais on ne voit jamais cela. Alors, Edioumba Mbouya, vous êtes cadre de l'élu de Peskibassa, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui dire que 2022 aura été une année, selon vous, à l'Union Sacrée, une année d'une diplomatie agissante, du fait que vous avez pointé du doigt accusateur le Rwanda comme l'agresseur de la RDC via le M23? Et pour autant, depuis que le M23 occupe la zone Rutshuru, Tchanzu, Bunagana, qui jusqu'aujourd'hui, le sort n'est pas connu, et qu'on peut donner aujourd'hui raison à certaines langues qui estiment que ce n'est qu'un jeu politicien, ce n'est qu'un jeu de ping-pong, ce n'est que de ce que le président Félix Tshisekedi serait complice envers son collègue rwandais Paul Kagame. Bon, au regard de ce qu'on appelle entre guillemets la balkanisation. Je crois que je peux être très déçu d'entendre cela de la part de certains Congolais. Je peux être déçu. D'ailleurs, pendant que les hostilités s'étaient déclarées via la M23, il y a certains acteurs politiques qui n'avaient même pas condamné cela. Au lieu de cela, ils ont plutôt cherché à condamner le président Félix Tshisekedi. Et moi, je pense que cette histoire, Félix aujourd'hui,
s'il est pointé du doigt. Comme complice avec Kagame. Non, comme complice. En fait, les gens qui les pointent du doigt comme complice. À la balkanisation. Voilà, les gens qui pointent Félix Tshisekedi. S'il vous plaît, les gens qui pointent Félix Tshisekedi de complice par rapport à cette guerre, à cette agression, ce sont plutôt les pions de Kagame qui jouent le jeu de Kagame. Ça, tout le monde est au courant. Et le plus grand péché que Félix a commis, c'est d'avoir refusé cette routine des brassages, des mixages, des armées. Parce qu'aujourd'hui, si notre armée a été traitée de faible, c'est parce qu'il y a eu des brassages et des mixages de tous ces rebelles-là. Et ils ont eu part à l'armée nationale, à l'armée régulière. Et Félix Tshisekedi a dit non, nous devons mettre fin à cette infiltration. Et c'est ça son plus grand péché. Moi, j'ai aimé une analyse qu'avait fait votre confrère, évidemment, notre compatriote Israël, il est aussi journaliste. Il a dit, c'est une analyse. Il a dit de tous les quatre présidents, il y a eu Kassavubu qui avait des origines connues ici chez nous. Il n'a fait que 4 ans, il est parti. Mobutu qui vient avec des origines douteuses, il en a fait 32. Kabila le père qui vient avec des origines connues, il n'a fait que 3 ans et demi, il est parti. Et Kabila les fils, évidemment, avec des origines douteuses, comme ça s'est raconté partout, il en a fait 18. Et après? Et Tshisekedi qui vient avec des origines connues, il n'a fait que 4 ans. Et il est combattu et on fait sa tête. Donc nous devons, nous les Congolais, ouvrir les yeux. Que le Congo, nous n'aurons jamais de véritables amis. Les véritables amis du Congo, c'est nous les Congolais. Alors, parce que vous y êtes, dit Mbuya Umba, cadre de l'UDPS Kibasa, vice-président de la fédération Funa Kinshasa, vous avez ouvert une parenthèse, c'est par là que je vais vous relancer. Vous avez parlé d'un chef de l'État qui est combattu actuellement, selon cette analyse repéré par vous, Tshisekedi qui n'a fait que 4 ans, mais avec l'arrestation de certains complices, de certains sujets, des renseignements rwandais en RDC, le complot contre Tshisekedi, c'est encore un chantier, ce n'est pas la première fois. Non, évidemment, Tshisekedi, on voulait sa tête il y a très longtemps, on a arrêté plusieurs complices, plusieurs têtes qui étaient impliquées. Un complot international, selon vous. C'est un complot international. Mais parce que nos gens qui veulent sa tête ne viendront pas en personne, ils ne vont qu'instrumentaliser les gens qui peuvent paraître comme proches du pouvoir ou proches de la personne de Tshisekedi pour mettre en exécution ce complot. Mais nous, nous disons que la population congolaise, nous devons regarder très bien la politique du Mali, même si, entre guillemets, ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir et commencé à dire non à cette hégémonie occidentale dont la France est en tête. Mais nous devons aussi comprendre que nous, le Congo, tant que nous ne prendrons pas conscience, nous serons toujours à la merci des Occidentaux. Et à la merci des Occidentaux, on ne se développe jamais avec de l'argent de l'extérieur, avec la politique de l'extérieur. Nous devons nous-mêmes prendre conscience et comprendre que si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience, notre pays et notre peuple restera toujours dans ces cercles vicieux de la souffrance et des massacres de nos populations à l'Est. Alors, Edioumba, aujourd'hui, vous parler de ce complot international, est-ce que l'an 2022 aura été cette année-là que le régime Tshisekedi a poussé les grandes puissances à reconnaître que c'était finalement le Rwanda qui soutenait M23, on a connu la Belgique, la Grande-Bretagne, la France. Oui, évidemment. Est-ce qu'il ne s'est pas mis dans une posture en déphasage, en mauvais élève avec la communauté internationale, Félix Tshisekedi, face à un élève aimé, non, Félix Tshisekedi, gâté qui est le Rwanda. Évidemment, Félix Tshisekedi a beaucoup plus à rendre à la République démocratique du Congo qu'à rendre à la France ou à la Belgique. Ça, c'est sa terre-mère. Et s'il l'a dit, s'il faut qu'il perde sa vie pour le bien de la République, il le perdra. Parce que en tant que chef de l'État, il a ses devoirs de défendre sa patrie, de défendre son pays, de défendre son peuple. C'est en cela qu'il a été amené à la magistrature suprême. Nous n'avons pas besoin de président de la République, complice ou pion de la communauté internationale, c'est pendant que le peuple est en train de croupir. Parce que moi, je me dis aujourd'hui, notre pays, c'est un pays convoité par tout le monde, par nos voisins, par la communauté internationale et tout. Et il a seulement appuyé sur les boutons qu'il fallait. Et quand les parents de cet agresseur se sont trouvés dos au mur et ils étaient obligés de pointer du doigt clairement et à la face du monde que c'est le Rwanda qui donnait des moyens. Alors, pourquoi? En passant d'abord, pendant que nous déplorions
que le Rwanda était en train de soutenir le M23. Mmh. Il y a eu de l'argent qui a été déboursé pour subventionner l'armée rwandaise. Et nous tous, nous avons décrié. Et moi, en personne, j'ai même pointé ma compte du doigt sur son compte Twitter en lui disant que non, il ne sert à rien de passer sur des médias disant que voilà, c'est un homme modèle, cependant qu'il est en train d'organiser des massacres sur le Congo, d'une manière ou d'une autre. Et même indirectement, quand vous subventionnez les agresseurs en termes de moyens, vous êtes complice de ce génocide qui ne dit pas son nom à l'Est. Et alors aujourd'hui, que pensez-vous que 2022, des langues se sont déchaînées pour condamner les pourparlers de Luanda, les mini-sommets, et pour autant parler encore le pourparler de Nairobi, et surtout cette adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui, selon certains analystes, c'est là où même viendrait la balkanisation de la RDC, parce que du départ de position aujourd'hui occupée par le M23, les dites positions seront sous contrôle de troupes de la force régionale de la région de l'Afrique de l'Est. Bon, je crois une politique de balkanisation, non, une complicité. Non, ce n'est pas une politique de balkanisation, peut-être c'est une politique mal comprise. Parce que moi, je crois que ce qui a motivé le président Tshisekedi à signer à faire adhérer notre pays à cette communauté d'Afrique, de la communauté de l'Est. Voilà, communauté de l'Est. D'abord, il y a eu certains avantages. Parce que si nous signons et nous devenons membres, d'office, nous allons partager certains avantages, nous allons partager les mêmes frontières. Et si le pays a une facilité de commerce avec ses voisins, ce sont nos populations qui vont bénéficier de ces échanges. Je prends l'exemple à Goma. Il y a certaines de nos populations qui ne vivent que des échanges entre Rwanda et RDC. Ce sont des échanges. Et quand un pays organise et adhère à une structure qui existe entre États, ce sont des relations diplomatiques que nous avons établies. Et par ricochet, on va tous sécuriser nos frontières mutuellement et on aura éradiqué ces systèmes de troupes de l'armée. Alors, mutuellement, aujourd'hui, que dites-vous de récents rapports des experts de l'ONU qui accuseraient le Rwanda et l'Ouganda d'être complices de soutenir les mouvements terroristes? Et voilà, et c'est pourquoi moi je me dis, FDLR et de 23. Ma lecture, l'appui en hommes, voilà, en munitions. Ma lecture est celle-ci. Moi je crois que ce voile est tombé et dévoilé parce qu'il y a eu cette adhésion-là. Ce voile-là a été dévoilé, excusez-moi les termes, parce qu'il y a eu cette adhésion et on sait contrôler les frontières et il y a tout ce qui était caché être dévoilé et la communauté internationale le sait maintenant. Parce que si nous sommes en très bonne relation avec le Kenya, et je serai à mesure de dire que voilà, dans nos frontières, il y a telle armée qui condamne et voilà, faisons ceci ou faisons cela. Mais si nous sommes en inimitié, ce sera difficile de coopérer entre États. Alors, Edjumba, cadre de l'UDPS Kibasa, vice-président dans le site de la FUNA, que dites-vous aujourd'hui de ce que la vieille chanson chantée en 2022 par la Mouka, qui exigeait la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda, mais également Nouvelle-Élan dans l'autre Mouzito, qui était allé plus loin même d'exiger d'expulser l'ambassadeur ougandais. Mais aujourd'hui, les différents rapports d'experts des Nations Unies prouvent que le Rwanda et l'Ouganda sont franchement impliqués dans les atrocités dans l'est de la RDC. Coup de chapeau, moi je dis que si la communauté internationale peut encore dire, je le répète, c'est grâce à cette haute diplomatie de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître le combat mené par la Mouka, Fayoulou et le combat mené dans les médias. Est-ce que c'est pas important aujourd'hui de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda? Déjà, les relations diplomatiques sont au point zéro. La fermeture des frontières, c'est possible. La fermeture des frontières est possible, mais nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas ennemis de Rwandais. Nous sommes plutôt ennemis des systèmes politiques du Rwanda. Parce que les échanges qui se font entre Goma et le Rwanda, ce ne sont pas des hommes politiques qui font ces échanges, ce sont nos populations. Et aujourd'hui, je peux même vous dire qu'au Rwanda, il y a certaines de nos sœurs qui sont épouses de Rwandais, et de l'autre côté également. Et allez-vous, si nous devons tous traiter les Rwandais de nos ennemis, quelle sera alors la suite? Donc, toutes ces familles-là seront divisées.
mari rwandais, tu vas au Rwanda et la femme congolaise qui reste au Congo, ou le mari congolais reste au Congo et la femme, ainsi de suite. Donc nous devons plutôt comprendre que l'ennemi, ce n'est pas le Rwandais comme peuple. L'ennemi, c'est Kagame avec son système. Alors, Eddy Mbuya Oumba, avant de nous séparer avec vous, l'an 2022, comment vous personnellement vous avez jugé la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, mais également la diplomatie du régime Félix Tshisekedi? Bon, la situation sécuritaire, il est vrai que elle n'est pas très stable, surtout du côté de l'Est. Il y a eu de morts. En tout cas, main sur le cœur, je rends hommage à tous ces 20 soldats qui sont tombés et à nos compatriotes qui ont été délogés de leur ville, de leur village, à cause de cette guerre injustement imposée au Congo. Et nous rendons hommage à toutes ces familles et aux enfants aussi congolais. Et je demande par la même occasion au gouvernement de prendre soin de ces enfants qui ont perdu leurs parents et des familles déplacées qui apportent un soutien assez suffisant pour que nos populations se retrouvent, bien qu'ils ont eu à fêter à passer leur fête dans des situations pas très humaines. Alors, très dans les 10 minutes qui nous restent, oui, je vous en prie. L'éveil du régime des notifications d'achat d'armes par la RDC, pour vous, ça aurait été un bilan positif pour l'an 2022 à l'Union Sacrée? Voilà, évidemment, vous les énumérez, vous tous. Ça aussi, c'est le résultat de la haute diplomatie. Nous avons fait pression et le VPM Ntundula aussi a écrit, et comme c'était dans ses fonctions, il devait faire le suivi. Et cette notification-là, cette mesure de notification d'armes a été levée. Et aujourd'hui, la RDC peut se procurer en armes, en munitions et en équipement militaire. Donc, c'est aussi une victoire par rapport à ces secteurs. Alors, 2022, nous en avons parlé, nous allons devoir nous séparer avec vous dans un instant. 2023, une année essentiellement électorale. Comment vous voyez, vous, à l'Union Sacrée, je dis vous voyez, vous, à l'Union Sacrée, c'est-à-dire que déjà l'opération d'enrôlement a été lancée au mois de décembre, le 24, et dans les 10 provinces retenues pour la première étape par la CENI, mais les dépôts de candidatures commencent au mois de mars. Alors comment vous voyez, vous, à l'Union Sacrée, un deuxième mandat, la campagne, avec tout ce qui est lié aux réalisations, à vos images, j'ai dit vos images plurielles, hein? Oui. Ça veut dire Mbosso, Bahati, Félix Tshisekedi, en termes d'institution, comment vous voyez 2023 face au miroir, face aux élections de 2023? Déjà au départ, nous devons comprendre qu'une seule famille politique ne peut pas remporter les élections présidentielles, parce que c'est... Il faut qu'il y ait des coalitions et des regroupements politiques pour en arriver. Et de deux, je crois que les grosses pointures que vous venez de citer, Bahati Mbosso, ce sont des fidèles alliés à Félix Tshisekedi. Et Caméré? Caméré, mais jusque-là, il est allié. Il n'y a pas encore d'opinion contraire, à mon humble avis, à moins qu'il faut qu'il fasse une communication directe, qu'on sache voilà, qu'il ne va plus soutenir Félix Tshisekedi. Mais à mon humble avis, je crois qu'il soutient encore. Et ce sont ces cadres qui sont encore beaucoup plus majoritaires dans ce gouvernement, Caméré, et même dans les cabinets du chef de l'État, ils sont encore là-bas. Donc, ces blocs déjà constitués, des unions sacrées, avec toutes ces grosses pointures, il n'y aura pas de doute. Et pour quel bilan? Non, c'est pourquoi je dis, au moment opportun, nous allons vous étaler toutes ces grandes réalisations. Alors. Et dans chaque secteur, et je crois que le moment opportun, nous allons passer et citer secteur par secteur, et nous allons y aller par deux chiffres. Voilà. Eddy Oumba Mbuya, cadre de l'élu de Peskibassa, membre de l'Union Sacrée, et vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi en 2023 pour cette année, nous y sommes déjà, pour un deuxième mandat. Quel message pourriez-vous adresser à la population congolaise qui estime qu'aujourd'hui la première étape de l'opération d'enrôlement des électeurs balbutie, tâtonne encore? Je demande à la population de se faire enrôler massivement, parce que c'est en s'enrôlant qu'on a le pouvoir de choisir la personne qu'on veut voir nous diriger. Et par la même occasion, j'en appelle encore à la conscience de la jeunesse, que le jeune... Vous n'êtes pas moindre, comme on vous le fait penser ou on vous le fait croire. Vous avez une très grande décision, vous avez un très grand pouvoir, et même de changer les choses dans ce pays. Et les jeunes, avec cette vigueur, avec cette détermination,
allez vous enrôler, même sous la pluie, c'est vrai que c'est la saison de pluie, allez-y, mais pour avoir ces droits d'entrer dans le bureau de vote et choisir qui vous voulez. Et 2023, c'est une année de décisions, une année de changements, une année de révolution. Donc voilà, il faut mais savoir. Une année de risque pour vous, Denis Osakere. Nous ne sommes pas en risque, mais ce sont pour les gens qui sont. 2023. Nous ne sommes pas en risque. Nous ne sommes pas en risque, mais c'est plutôt une année de sanctions. Nous devons sanctionner tous ces gens-là. Je prends, par exemple. Et la sanction, elle est soit négative ou positive. Non, non, c'est une année de sanctions. Même contre vous, de l'Union Sacrée. Nous allons sanctionner tous ces gens-là qui passent au gouvernement, au lieu de servir le peuple, mais ils servent les individus. Et nous avons eu des cas assez récents. Au lieu de servir le peuple, on sert les individus. Concluez, s'il vous plaît. Voilà. Bon, en concluant, je dis que c'est une année électorale. Le train a déjà quitté la gare. Allez-y vous faire enrôler massivement. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui revenir autour du consensus, la fraude, les décors de la fraude plantée, le FCC qui jusque-là peut-être partant pour l'enrôlement, mais estime qu'il faut refaire la CENI, il faut refaire la Cour constitutionnelle. Voilà, et ça c'est encore une bonne politique de distraction que, dans laquelle le FCC veut nous mettre, parce qu'aujourd'hui chercher à refaire la CENI, vous savez combien de temps ça va nous prendre, refaire la Cour constitutionnelle, combien de temps ça va nous prendre, et après on va glisser au glissement. Et quand le pouvoir de Tshisekedi ne sera plus légitime, tout ce renard-là va encore revenir à la table pour faire encore le repartage du pouvoir. Donc, nous avons déjà continué. S'ils estiment qu'avec cette CENI, ils ne pourront pas y participer, nous avons un exemple typique. Papa Tshisekedi avait refusé un certain temps d'aller à la CENI. Le pays ne s'est pas arrêté. Et c'est là tout comme eux, s'ils refusent d'y aller, le pays ne va pas s'arrêter. C'est de l'arrogance de l'Union. C'est pas de l'arrogance, mais nous avons déjà un exemple dans ce pays. Le feu, Papa Tshisekedi, à un certain moment, il avait boycotté cela, mais il y a eu des élections qui se sont organisées. Ça veut dire. Avec le même FCC ou le PMPPRD, et le pays a évolué. Aujourd'hui, nous en sommes au quatrième cycle électoral, non, en mais comptant Paul, par le celui de 2006. Mais Paul qui est voilà. Un challenger, qui est déjà un décor de la fraude. Mais un décor de la fraude, mais aujourd'hui, il a sa carte d'électeur. Merci. Et Djumba, merci d'être venu. Merci, monsieur Kamba. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS Kibassa, vous êtes vice-président de la fédération Founa à Kinshasa. Merci. Mais vous êtes natif de... Natif de Olomami. Olomami à Kamina. Et je crois que... Comme notre chaîne est sur satellite, j'en profite pour dire bonne année à nos amis du Olomami. Et je crois que le Olomami sera dans la deuxième phase de l'enrôlement. Et je demande aussi à la jeunesse de s'enrôler massivement. Merci. Et surtout que le Olomami est une province qui souffre encore de beaucoup d'infrastructures et même du sous-développement. Je vais demander à toute cette jeunesse d'ouvrir les yeux, de s'enrôler et prendre les choses en main. Merci d'être venu. Merci. C'est la fin de ce tout premier numéro de 2023 de ce magazine Direct Grand Débat qui a reçu Eddy Oumba Mbouya. Il est cadre de l'UDPS Kibassa, membre de l'Union Sacrée. Merci à vous tous, nos téléspectateurs avec qui nous avons marché durant toute l'année 2022. Merci à cette grande équipe de PS TV, en commençant par son directeur général Patrick Tuyoyo, toute la rédaction, toute l'équipe technique, toute l'équipe des productions, de programmes. L'année 2022 nous aura fait du bonheur et 2023, encore de grandes réalisations, nous vous les promettons. Au nom de cette grande équipe, à chacun, à vous tous dans le monde, vous nous suivez sur Canal+, sur 346. Excellente suite de programmes sur nos chaînes.